La plus grande frayeur que l'on peut connaître lors d'un examen écrit d'une matière littéraire, c'est le syndrome de la page blanche. Mais qu'est-ce que ce syndrome et pour quelles raisons peut-il nous arriver? Vous lisez le sujet, puis rien ne se passe. Un vide profond s'installe en vous. Vous êtes incapable d'écrire le moindre mot et vous n'avez aucune inspiration. Mais pas de panique. La première chose à faire est de prendre quelques minutes pour évacuer tout le stress qui vous envahit lorsque vous observez votre copie d'examen rester toujours vierge. Ensuite, il ne faut pas hésiter à relire plusieurs fois l'énoncé qui aurait pu être mal compris ou mal interprété lors de votre première lecture. Cherchez l'inspiration dans votre imagination. Il vous suffit de repenser aux travaux déjà effectués en cours ou encore aux conseils avisés de vos professeurs. L'écriture entraînant l'écriture, n'hésitez pas à vous lancer et à écrire toutes vos idées, même si elles doivent disparaître de votre texte après mûre réflexion. Pour éviter les copies d'examen trop brouillons, utilisez autant de feuilles que vous voulez mises à votre disposition pendant l'épreuve. Marquez sur le papier le moindre mot qui vous passe par la tête. On ne sait jamais, il pourrait vous être utile. Souvent, le problème est qu'on ne sait tout simplement pas par quoi commencer. Vous n'avez qu'à ignorer cette étape et passer à la suite. Votre phrase d'accroche viendra de manière naturelle en construisant votre récit.